Et lancer le direct seulement pour faire écouter une blogueuse d'État. Merci pour les étoiles, chérie. C'est pour la blogueuse et d'État. Là, sur la toile, de retour. Pose, sur sa et comme c'est ma co. Papa et tout. Vous savez que toi, c'était mon ex. Toi, c'était toi, mon ex, votre expert. Elle a donné les quoi, les pieds, les tickets. Elle a dit des choses très pertinentes. J'ai trop rigolé. C'est pour ça que je mets son direct. J'ai beaucoup dit. Ça veut dire que j'ai beaucoup rigolé. Vous n'êtes pas les blogueurs, Mbrakata. On écoute mes cœurs. Vous n'êtes pas les blogueurs, Mbrakata. Payez vos. Les étoiles que vous êtes tous les jours là, vous demandez là, ça vous donne pas l'argent. Mais tu es invité, il se marie. Tu es invité, tu es invité. Il va qui ne connaît pas la maison, il n'a jamais dormi ici. On doit vous payer pour que vous soutenez votre pays. Pour soutenir votre pays. Chez Warriors. Oui. Soutenir votre pays. On vous paye quoi? Les parvenus qui se parlent à tous les tigres dans les réseaux sociaux, je vous salue. Bonjour à toi. En tant que influenceuse blogueuse d'État. Parce que moi, j'ai été invité à la Cannes. J'ai été à la Cannes. Oui, on le sait. Nous, on a fait ce qu'on a fait là-bas. On a tout vu. Donc, maintenant là, on va parler de tous les blogueurs qui ont été recalés à la Cannes. Les recalés de la Cannes. Donc, c'est eux qu'on va envoyer la liste à Papa Eto. Parce que tout le monde doit aussi profiter. Comme on a profité de mon Phoebe. On a profité du monde Phoebe, on a profité, on a fait une belle vie même pendant 4 jours. Oui. Donc, les autres aussi doivent aussi profiter. C'est-à-dire quoi? Oui. Dans les noms des recalés de la canne. On dit quoi? Les gens qui parlent de plan de l'île ici, s'il vous plaît, je vais vous bloquer. Si quelqu'un parle à cause de. Cancam ici. Cancam. Ça, c'est mon direct. Vous ne respectez même pas les directs des gens. Je suis là pour faire ma joie avec mes gens. Vous amenez le nom des gens ici. La personne que j'entends encore quelqu'un passer là le nom de Flo a fait que. Comme vous dites que moi je parle, après, ça fait quoi? Tu me bloques. Moi, je vais vous bloquer. C'est quoi? Vous ne pouvez pas souvent faire vos directs même pour aller parler des gens dans vos directs. Hein? Azam. Pourquoi tu ramènes le nom des gens dans le tiers des gens pour que les gens s'enflamment? On n'est que lundi. Le nouveau dossier de ce lundi, c'est le Qatar. Ouais! Vous êtes là? Oui. Ah! Ouais! Après, on vous bloque, vous allez dire que non. La rouge nous a bloqué parce que. Je pense que je mérite d'aller à la. Qu'est-ce que vous voyez? Au Qatar parce que j'ai fait tellement. Je crois que ça sa vie. La publicité. De la canne. Le Cameroun a perdu, on n'a pas ressenti. Dans sa page. Je pense que je mérite d'être au Qatar. Non seulement parce que je vais représenter le Cameroun d'une bonne manière. Je parlerai de la Coupe du Monde. Je vais valoriser le Cameroun. Voilà, donc je mérite parce que j'ai fait un exemple. Mon exemple pendant la CAN, j'ai fait le reportage. J'ai montré la CAN, les gens ont suivi, ont eu le goût de la CAN par rapport à moi. Donc je mérite cette CAN, cette Coupe du Monde. On écoute, en plus j'ai le Kaolo. Comment ça, allez vous énerver là-bas, c'est quoi? Hein? Le dossier de cette semaine, c'est le Qatar, on parle du Qatar ici, s'il vous plaît. C'est une personne qui a encore parlé de CAN ici. Je bloque à vie. C'est vrai, vous n'avez pas le respect pour les gens. Je mérite. Allez négocier pour moi près de Papa Eto. Je mérite. Abimte. Vous n'avez pas le respect pour les gens. Ma faux, Kata, yop, c'est vrai. On m'a sélectionné. Merci. On m'a sélectionné. Quelqu'un vient encore parler. Ouais. Bon. Bref. On boit d'abord un petit vin. On continue. Hein? Tu dis? Il n'y a pas besoin de Eto pour aller au Qatar. Pourquoi? Vous pouvez aller supporter sans. Sans lui? Sans être sur la liste. Mais c'est le président. Mais et alors? Il est le président de la FICA Foot. Donc si.
si vous sélectionnez pas, vous n'allez pas supporter le Cameroun. On va toujours supporter le Cameroun, mais avec Eto'o, voilà. C'est toujours gagnant-gagnant. Avec Eto'o, on gagne, on ne paie pas. Papa, Eto'o, je vais faire la talakou. Non, ce soir. Eto'o. Le Kata, c'est... Président, au président, le président, le président. Le président, le président. Adelina. Adelina. Quand femme bande direct sur moi, ça change quoi? Adelina. Quand faire les fins, c'est nouveau quand faire les fins direct sur moi. Maman, je viens faire le direct sur moi. Tu m'as insulté par rapport à quoi? Va avec ta main chasse. Ta main chasse là-bas. Je ne veux pas te bloquer. Ne continue plus. Quand elle a duré, les gens viennent mentir sur moi pour qu'elle parle de moi. Vous savez que quand nous sommes partis, on nous a choisi, une situation, on est choisi pour aller à la Cannes. Oui. Donc, papa et toi, moi, en tant qu'influenceuse, blogueuse d'État, hein? Donc, moi, je ne peux pas aller au Qatar parce que le Qatar ne boit pas l'alcool là-bas. Je ne tue pas les gens. Je ne prends pas les gens là-bas. Donc, je veux casser tous les murs là-bas. Hey! Ouais, la femme, s'il va me tuer. Elle dit qu'elle ne peut pas aller au Qatar parce qu'on ne boit pas là-bas. Quoi? Qui va... Je vais mettre mes boissons dans la valise. Qui vous a dit ça? Un cassant bois va en cachette. Ok. Ça arrive. Donc, je te donne la liste des gens que tu vas aller à la canne. Coucou Caroline! Je suis à... I am the prêtre. Pour apprendre l'inga, I am the prêtre. Donc, nous, on est là. Comment dire? Pour la Cannes, pour la Qatar. Parce que vous savez qu'il y a eu beaucoup de gens, il y a eu beaucoup de jalousie. Quand nous sommes allés à la fameuse Cannes sucrée du Cameroun. Donc, je veux citer le nom de tous les gens qui étaient, qui, même les stars, les temps. Okay. Cool. Merci beaucoup, ma soeur. Merci, c'est gentil. Merci. Donc, on va parler des régalés de la Cannes. Parce qu'il y avait trop de jalousie quand nous sommes partis. Quand les influenceuses d'État sont partis à la Cannes, il y avait trop de problèmes à la Cannes. Tous les vieux dossiers qui étaient déjà enterrés. Même ce que tu n'as pas fait. À mon petit monde, que tu as fait. Donc, pour ça, on va citer les noms. Tous les recalés de la Cannes, la diaspora camerounaise, les influenceurs qui sont au niveau de la France. Même aux États-Unis, vous citez tous vos noms. Donc, les recalés là, j'envoie la liste à Papa Eto'o. Écrivez très bien cette liste. Parce que moi, je suis une influenceuse d'État. J'ai mon titre. C'est les voir, vous n'avez pas les cœurs. Moi, je suis une vraie blogueuse parce que moi, ma femme est choisie et j'ai animé à la canne. Peut-être que non, peut-être que votre Dieu Warriors, vous n'avez pas la paix ici. On ne veut pas, c'est lundi, s'il vous plaît. On ne veut pas que Fanny l'a fait, que l'enfant a fait, que les papiers ont fait, que non. On parle de la canne. Moi, c'est quelque chose qui est très émouvant. Quand même, on parle de notre pays, le Cameroun. On ne parle pas de n'importe quoi. Pour une fois, soyons sérieux. On parle de la diaspora positive. Je suis une diaspora positive. Vu que moi, j'ai été invité à la Cannes, ça a fait beaucoup de bruit. Moi, je parle de moi. Ça a fait beaucoup de bruit. La dépression a failli me parler ici. Heureusement qu'il y avait des gens qui me suivaient, qui m'invitaient partout pour aller rester avec eux. Moi, je veux dire la vérité. Moi, je veux dire, quand je suis sorti de la Cannes, j'étais tellement... Je ne savais pas... Quand tu es parti, tu reviens, tu ne savais pas ce que tu es parti faire, tu sais. J'étais mal. Mais il y a eu des gens qui m'ont tendu la main que je veux remercier aujourd'hui. Merci à maman. Je remercie d'abord et tout, en toute sincérité, Natacha de Monaco, qui m'a tenu la main. Je te remercie, Natacha de Monaco. Merci beaucoup. Je remercie Papy Longchamp, malgré tout ce qui se passe là. Je remercie ce mec. Oui. Je n'ai jamais eu de problème avec lui. C'est lui qui a venu défendre son ami, sa copine. Il m'a laissé.
Pourtant, je n'avais pas de problème avec lui. Il m'a fait ce qu'il a fait. Parce que pour moi, Papi Nonchalance, c'était mon ami, c'était ma personne. Nous sommes dans un groupe. Je me fâche avec une copine dans un groupe. Une copine arrive dans un groupe. Lui, il prend le côté de la copine. Il n'y a même personne dans les réseaux sociaux. Mais je te remercie quand même pour tout. Parce que même la chicha que j'ai filmé, c'est... Papi Nonchalance, c'est toi qui as acheté ça. C'est toi qui m'as offert ça. Oui. Oui. Je remercie Caroline Schulke. La dame qui m'a fait partir à Zurich. J'ai passé un moment à Zurich. Quelques temps après que je parte au Cameroun. Je remercie. Moi, je suis acheté très mal. Très mal parce que, vous savez, je n'avais pas voyagé. Sans voyager. Avec tout ce qui s'est passé, franchement, je ne vous souhaite pas. Parce que vous ne savez pas. Ça fait un impact dans votre famille, dans votre vie, la vie de vos enfants. Ça fait l'impact pour partout. Ne croyez pas que je ne vois pas ce qui s'est passé. Même à 100 000. Ça fait un impact. Parce que parfois, quand je marchais, oui, les gens me regardaient que ah, c'est elle qui a dit que le président est tout et tout. Ah oui? Mais bon. On avait fait comment? Ce qui est passé, est passé. On a parlé de ma famille, on a parlé de moi, de la radio, de l'Est-Sud, de Saint-Marie, de l'Est-Sud. On a parlé, on a insisté. On m'a insulté. Oui. On a invité mon frère jumeau d'aller essayer d'aller dans les histoires pour parler de moi et tout ça. Mon frère a refusé. Oui. Ne sachez pas qu'on n'a pas le cœur. Moi, j'ai un cœur. J'ai subi beaucoup. Vos injures. Tout ce que vous me faites. J'ai subi les mensonges de ça, les promesses non retenues, non tenues et tout. Sachez que mon histoire avec la canne, ça m'a marqué, ça m'a marquera à vie. Ouais, maman. Parce que ça a eu un impact sur moi. Oui, sans vous mentir. Vous pouvez rire, mais je ne vous souhaite pas ça. Vous ne savez pas là où vous mettez les pieds. De Yami, enfin, des fois, on ne va pas être dans la tristesse aujourd'hui. J'ai tristement remercié Natacha de Monaco. J'ai remercié Papi Longchamp. Je tiens à remercier Madame Caroline Schulke. Parce que vous ne savez pas ce que c'est. Oui. Bon, maintenant, on va à la Champions League. Parce que là-bas, t'attaches la Champions League, non? Parce que... Ouais. Nico, que tu as tué, ça va? Faites-moi, n'est pas facile, hein? Nico, que tu as... Toi, nous, je t'attache, tu vas te porter plainte hier, non? Ouais, son rire. Oh! Aïe! J'ai dit qu'elle est comme... Facebook, si elle est pas... Facebook, si faut, il faut faire attention à Facebook. Parce que moi, je regarde là-bas parce que je ne vous vois pas. Nourishka, la dame qu'on dit qu'elle vendait les trucs pour boire là. Où ça s'est passé comme avec une école, Ketcha. Elle a dit que madame, je vous porte plainte. Vous serez assigné à comparaison au parquet. Nico Ketcha, toi tu es hier, hier. Tu peux attaquer les gros poissons. Tu nous vois là, nous on regarde le dire. Toi tu peux attaquer Nourishka. Oui. Aïe. Facebook a les rêves. Mais écoute, ce n'est plus. Toi tu nous laisses ici derrière que nous on est derrière. Toi tu peux attaquer les Nourishka. Les députés et tout. Au Cameroun. Elle t'a répondu hier que oh, ah. Tu ne parlais plus non. Continue. Tu vas arriver où? Hier, hier là. Ta page n'est même pas encore bien. Et t'as pas encore de faire pac 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 pac. J'étais là, Mangada. Tu connais Mangada, j'ai dit quoi? J'étais là, j'ai vu tout. Toi, nous, les durasses, l'énergie, c'est comme nous, comme ça. Nous, on ne parle pas des gens comme ça. Toi, tu arrives hier, hier, tu viens parler de Nourishka. Aïe! Parle encore d'elle. Vous avez entendu à Facebook. Quand vous êtes arrivé, parce que quand vous êtes arrivé, vous arrivez avec un gros cœur. J'ai dit que. Nourishka, la femme là, qu'on dit qu'elle est bon. Elle t'a fait ça que. Pa! Tiens, attends, ça fait quoi?
Fais attention, hein. Ma chérie, fais attention, même là où tu es en Italie, là. Ce sont les gens qui ont les moyens. Maman, tu vas aller où comme ça? Tu vas attaquer les gens comme ça? Tu vois que nous tous sommes là, on train de que tu fais que nous. Hey. Ngata, tata. Toi, tu vas dans Ngata. Hein? Ah! Tu vas dans Ngata. Yeah! Mais mec, comme toi. Qu'est-ce qu'il y a en quoi, comment? T'as dit que. Tu as le courage, hein, ma. Tu peux attaquer qui? Ah, tu peux. Il faut. Tu peux sauter les étapes, ma. Tu vas attaquer. Yes, ma dit. Quand tu as compris, je ne pas. Non, ne ris pas, hein. Vous riez souvent ici à Facebook. Il y a des choses que moi, je dis que je. Parce que tu n'as pas encore goûté. Goûté. En tout cas, sois-toi ici. Fais comme ça. Lève-toi ici. Tu ne connais pas. Le Cameroun, c'est un pays. Ta dictature. Dictature. Ah, bon. On dit qu'on paye à quoi? Démocrate quoi? Continue à faire vos choses à Facebook. J'ai sauté, j'ai dit, c'est pas possible. J'ai dit, mais c'est pas possible. Tu ne peux pas t'attaquer à qui? Nous, jusqu'à. Aïe! Elle t'a répondu. Parce qu'il y a des gens qui les suivent dans les réseaux sociaux. Donc tu parles mal d'elle là comme ça, on te dit que la voix joyeuse a parlé mal, on vient seulement parler que la voix joyeuse sont atteintes à l'aéroport. Toi tu as les papiers, man. C'est pas quand tu vas comme nous comme ça, là, moi je peux pas m'envoyer. Moi déjà je sais qu'on va m'arrêter à l'aéroport là pour aller au Ngata, donc moi je vais pas m'en déplacer à Nourishka. Maman Nourishka, moi je t'aime. Oh maman Nourishka, je te soutiens. Oh. Regarde ma peau et arrange ma peau. Ouais. Quoi? C'est un faux profil. Continue, tu as dit que c'est un faux profil. Pourquoi que les gens ne sont pas là pour nous regarder? Les gens qui sont à la fenêtre, là, vous savez les gens qui nous regardent à la fenêtre là. Continue toujours à attaquer les gens. Pour dire que tu attaques quelqu'un pour dire que là, c'est même pas ça, un faux profil. Oui? Continue toujours. C'est un faux profil. Hein? Moi, je vais t'aimer, maman Nourishka. Arrange ma peau. Mais moi, je n'ai plus besoin de garçon. Moi, j'ai un bel petit peau, mais je vais avoir une peau noire. Moi, je vais avoir une belle peau noire éclatante. C'est tout. Je suis avec toi aujourd'hui, demain, après-demain. C'est tout. Toi, tu viens là. On dit qu'on supporte le gouvernement. Toi, tu viens. Je dis, toi, si tu vas me tuer un jour. Yeah! Tu dis que tu es tout naturel. Toi, Nico Kacha, toi, tes cheveux là sont naturels. Tu es né blonde, deux tons. Cheveux noirs, cheveux blancs, cheveux noirs, cheveux blancs. Tu sais, ne fais pas ça, hein. N'entre pas dans les histoires que tu ne connais pas. Moi, je te conseille devant tout le monde pour te dire que calme-toi. Peut-être que tu as besoin que les gens viennent s'abonner à ta page, mais fais doucement, s'il te plaît. Tu ne connais pas Facebook. Ne saute pas les étapes. Oui, parce qu'à Facebook, s'il y a les étapes. Oui. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Mais je crois que tu devais me mettre en contact avec quelqu'un. Oui, je dois te mettre en contact avec une Africaine, mais donne-moi du temps. Donne-moi du temps pour que je discute avec. Et qui habite où? Qui habite où? Ben, qui habite dans le nord de la France? Okay. Oui, mais est-ce que tu ne veux pas une fille qui est au bled, qui est en Afrique? Non, si elle est en France, c'est mieux. Mais tu peux aller en Afrique, non? Tu as des papiers pour aller en Afrique. Ah, pardon. Pardon. Quoi? Si elle est en France, c'est mieux. Si elle est en France, c'est mieux? Bah oui. Ben, moi, j'en connais une qui est très bien, qui est en Afrique. Partout, mais essaye celle qui est en France. Celle qui est en France? Oui. Pourquoi tu veux celle qui est déjà en France? Tu peux aller chercher une en Afrique, hein? Essaye. Pourquoi tu veux pas essayer de me mettre en contact avec? Oui, mais si je te mets même en contact avec une fille et tu l'appelles à chaque seconde, Non.
Elle ne va pas apprécier, on est d'accord. Je ne l'appellerai pas à chaque semaine. Allez, elle est à côté de moi, elle peut te dire bonjour. Non, elle ne peut pas dire bonjour à ton futur mari. Attends, elle te dit un petit bonjour. Dis bonjour à ton futur gars. Hein? Dis bonjour à ton petit. Allô? Oui, allô? Ben oui, dis pas bonjour. Dis bonjour à ton futur mari. Bonjour. Bonjour. Elle est timide? Elle est timide? Oui. Oui, elle est un peu timide. Oui, elle est un peu timide. Je suis timide. Bon, tu me mets en contact avec elle, puisse tout. D'accord, mon cœur. C'est quoi cette blague? Elle accepte, elle dit que d'accord, mon cœur. Elle vient de te dire d'accord, mon cœur. Non, c'est une conne. Tu as les dos? Oh merde, c'est une connerie que vous faites. Je sais pas. Qu'est-ce que vous avez? Ma pomme de thé. Parle un petit peu fort, s'il te plaît. Non, je voulais pas me dire. De fait quoi? Mais parle avec elle, elle est là. Tu peux lui dire, tu peux parler avec elle. Oui, pardon. Mets-moi en contact avec elle et puis c'est tout. On va voir, c'est mon nom. Attends, elle veut te poser quelques questions si tu as des enfants, je sais pas. Pardon, je t'ai dit. Tu as les mounas? Tu as les mounas? C'est lent. Ok, mais ces gens respirent, mon frère. Ah. Tac, 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 tu t'arrêtes. Tu as déjà joué sur Nintendo, on appelle ça comment? Tu as déjà joué aussi à Bob d'éponge ou c'est quoi? Mais en tout ça, on appelle ça comment? C'est français, il n'arrête pas la télé. Oui, non. Tu dis pour. Tu dis que. Hein, moi, je te conseille que fais attention. Toi, tu viens d'arriver à Facebook. Facebook n'est pas. Ce que vous croyez là. Parle de toi, parle des bonnes choses, fais ton truc doucement, les gens vont te suivre. Les gens vont partager. Mario, tu as déjà joué à Mario? Mario, il faut sauter à Mario. Tac. Tu t'arrêtes. Étape par étape. Mario Games. Déjà, c'était pour te dire que, attention, je dis pas que ce sont des faux profils. Tous les gens là nous regardent ici en vrai profil ou en faux profil, dans le noir. Les gens qui sont là, c'est qui te guettent là. Tu sais, ce sont les qui? Ils nous aiment tous. Ils nous guettent. Donc, c'était souvent pour ça pour te dire que fais attention à toi. Katia FM m'a appelé, je ne décroche pas. Elle a mon téléphone, elle m'appelle. Donc, elle ne se calme pas, c'est son problème comme en Afrique. Elle ne se calme pas, elle-même va voir nous. Bon, les recalés de la canne. Donne les noms. Donc, moi, je dis à Papa Eto, je dis que Papa Eto, déjà bonsoir, parce que je sais que tu es à la fenêtre, tu regardes ta nouvelle joyeuse préférée. Est-ce que tu m'aimes et que moi, je t'aime? En tant qu'influenceuse de blogueuse d'État, c'est vrai que c'est parce que normalement, on devait faire un dîner ensemble quand j'étais au Cameroun. C'était tout ça, il y avait beaucoup de choses qui étaient prévues. On n'a pas pu se voir et tout. Donc, je te donne le nom des gens. Quand il y a eu beaucoup de recalés à la canne, non. Et je vais te donner le nom des gens qui ne boivent pas, le nom des soulards. Parce que ça n'est pas que tu évites les soulards, blogueurs des réseaux sociaux. Parce que dans les réseaux sociaux, il y a beaucoup de blogueurs qui saoulent. J'espère que tu parles de bas. Je donne leur nom, tu ne les évites pas. Mm-hmm. Oui. Parce qu'il ne faut pas que tu peux éviter les gens là-bas qui vont aller prendre, qui vont fumer la farine. Mm-hmm. Donc, je te donne le nom de tous les gens
qui sont la, qui, les blogueurs, blogueurs des réseaux sociaux, donc tu ne les invites pas. Ça ne sert à rien que tu les invites. Je te dis d'abord. Oui. Je donne le nom de tous les blogueurs qui se droguent et qui boivent l'alcool. Donc ils ne peuvent pas aller au Qatar. Ils vont te faire des problèmes là-bas. Je te dis, ami. Parce que là-bas, ils vont faire. Un jour, deux jours, trois jours, quatre jours, sans boire. Les problèmes vont commencer, les coups de poing et tout ça. Ils vont commencer à crier là-bas, à faire comme les fous, les cons et tout. Donc, ça ne sert à rien que tu les... Que tu les que, il faut choisir les blogueurs qui sont sains. Je suis d'abord le nom des blogueurs. Et les stars, qui boivent. À ne pas éviter. Quand, elle ne parle pas là. Elle ne pouvait pas me louper, cette vieille chouette. Le premier nom, c'est Gankam. Il faut noter le nom des gens qui ne vont pas aller parce que les gens qui se droguent, qui boivent l'alcool et tout ça. Il ne faut pas qu'ils se battent. Fleur de l'île. Maman, je l'ai vu un jour. Dekoba Mugu. J'ai bu quand? J'ai bu quand la femme-ci? Doudou Engaba. Non, grata, parce qu'elle boit beaucoup. Maman, je bois des grenouilles. Tu vas me tuer, Warren. Ouais, pas que les stars. Les gens qui boivent, pour ne pas aller faire des problèmes là-bas. Hein. Là-bas au Qatar, hein, parce que c'est vrai que le Qatar n'est pas. Tu me mets tête de liste, je peux boire plus que toi. Mmh. Mais de comment Mbou ne doit pas partir, parce qu'il boit beaucoup, il fume là-dedans. Fais le pareil. Qu'un cap. Et deux là, ça ne sert à rien, ils vont venir, ils vont être souillés là-bas. Donnez-moi les noms. Donc il n'y a que mon nom que tu as retenu ou rien. J'ai choisi mes deux personnes. Tu viens mettre les têtes de moi ici, pourquoi? Mais donc. Non mais moi je ne peux plus aller à la Cannes, moi je ne peux plus aller à. Au Qatar, parce que moi j'étais influenceuse blogueuse de la Cannes. Hein? Donc je ne peux pas aller à la Cannes. Elle est terrible, la femme-ci. Moi je ne peux plus aller. Moi je ne peux pas aller dans un pays où moi-même je. Tu crois qu'elle va rester avec toi? Une droguée notoire. Qui? Elle ne parle pas. Qui? Écrivez son nom, hein? Joy Brown. Elle ne parle pas. À la Cannes, au Qatar. Parce que, on a déjà opéré, ses nose. His nose, his eyes, his machin, lips, machin. Elle ne parle pas. Parce que, les narines sont fermées. Donc, maman, ça m'énerve pas le fait qu'elle parle comme ça. Faut pas avoir le mal partout. Moi, ça me dérange pas qu'elle parle comme ça. Ça m'amuse. Les blogueurs d'État, nous, on a soulevé le Cameroun. Il faut prendre les autres influenceurs qui vont aller fumer la drogue là-bas. Qui vont aller fumer la drogue, qui vont fumer, qui vont boire, qui vont bagarrer, qui vont parler fort là-bas. Il faut les gens qui sont. Maman, je parle fort. Ma femme, si elle. Voilà. Jusqu'à dire qu'elle parle fort. Donc, moi, j'ai choisi. Parce que j'ai choisi que les Cancan stars. J'ai dit Dekoba Mugu, non grata. Kankam, non grata. Dudu Engaba, non grata. Damanou, non grata. Elle est blogueuse. Nivakin, non grata. Oh, j'ai choisi encore qui? Parce que j'ai choisi les gens qui ne peuvent pas aller nuit au Cameroun. Parce que je connais les éléments. Perturbateur. Non, parce que c'était que c'était un pays un peu. On pouvait fumer, boire et tout ça. Le Félix n'est pas camerounais. Il ne sera jamais camerounais. Moi, je parle du Cameroun. On parle du Cameroun là, s'il te plaît, ma chérie. Moi, je parle pas des gens qui n'ont pas de nationalité. S'il te plaît, qui n'ont plus de pays, qu'on a chassé dans leur pays. Moi, je parle pas du Gabon, je parle du Cameroun. Voilà. Du Cameroun doit aller. Du Cameroun pas au Qatar.
Camer, il va au Qatar pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui ne boit pas beaucoup. Il ne boit pas. Moi, j'ai souvent bien regardé. Du Camer, c'est une personne qui est très bien. Il ne boit pas beaucoup. Du Camer adore le challenge. Du Camer adore s'asseoir. Il parle, il adore. Il adore le parler, franc parler. Quand vous entendez du Camer, tu as vu du Camer se lever deux fois, trois fois pour aller à côté. Nous, on part toujours à côté pour aller boire un petit verre ou si tu fais une petite ligne de coco, on vient s'asseoir. C'est tout. Du Camer doit aller au Qatar. Amen, Camer, au Qatar. Du Camer au Qatar, les deux là doivent aller au Qatar. Ils vont nous représenter. Oui. Du Camer ne fume pas, il boit un peu la bière. Oui. Du Camer doit aller au Qatar. Du Cambindo, je vote pour toi pour le Qatar, que voir. Oui. Du Camer pas au Qatar. Amen, Camer au Qatar. Mais même quand toi tu pars. J'ai lui me sang. Non, tu ne pars pas au Qatar. Tu vas devoir régler les problèmes de l'identité. Et toi, tu viens de pas nulle part. Elle n'est pas star. Et toi, tu viens parler où? Elle va rester à boyer à Facebook. Natacha de Monaco. Oui, elle parle au Qatar, oui. Elle est très. Natacha de Monaco. Natacha de Monaco, je vote pour toi, tu peux au Qatar. Du Camer au Qatar. Amen, Camer au Qatar. Natacha de Monaco au Qatar. Go. J'arrive, ça n'est pas pour Qatar. Mais même quand toi, tu n'es pas une stable à Qatar. Donc, toi, tu vas aller au Qatar. Oui. Mais, tu vois un peu. Antoine Mach, je parle. Il reste ici avec sa grosse tête ici à Facebook. Catherine n'est pas star. Moi, je parle des stars de Facebook. Hein? Aïcha Camoise. Est-ce que celle-là, elle fait les vues de. Elle est une Camerounaise, donc. C'est une Camerounaise, donc. Elle a ses enfants qui sont tout petits, donc. Elle va chez Cocktail. Et toi, tu viens, ne peux pas aller au Qatar. Elle n'est pas avec au Qatar. Elle est d'abord une fiancée, une blogueuse. Moi, je parle des gens qui sont dans la Champions League. Champions League. Il y aura des gens qui vont aller au Qatar. Oui. Mais même quand tu as Qatar. Oui, toi tu as l'argent, tu vas payer ton billet d'avion, tu es quelqu'un de bien, tu vas aller au Qatar. Elle dit que, Amen, Kamen, Qatar, du Kamen, Qatar. Ah ouais. La chèvre, elle va pas les. Non. Elle va pas les bois dans le saumon. Elle va pas les fumer dans le. Elle fume dans le saumon. Comprends ça? Jamais. Elle va faire quoi au Qatar? Non. La façon qu'elle tient soit son bain de whisky là. Non, elle va aller déranger au Qatar. Non, elle n'est pas nulle part. Elle n'est pas pour Qatar. Patricia Amel. Non. Zéro Qatar pour Patricia Amel. Elle ne parle pas. Ok. Pourquoi c'est parti? Pardon, mettez les cœurs, non? Oh. Attendez, je vais. Oh non. C'est bizarre, ça. Attendez, je vais. Mettez. Ah, il faut partager, s'il vous plaît. Quand vous envoyez pas les cœurs comme ça, là, ça. Pardon, mettez les cœurs, non? Oh. Attendez, je vais. Attendez, je cherche son direct. Valérie Bolingo. Elle va rester avec moi. Il faut que les gens qui vont allumer Facebook. Avec sa mère. Il va d'abord nager comment pour arriver au Qatar. Ouais, dis donc. Papa dans le champ. Ah. Il part pour Qatar. Papi Longchamp va aller chez les Jipons. C'est mieux d'aller chez les Jipons. On
ne veut pas. Soulage quoi? Soulage B. Non. Elle vient encore de là. Mais coucou, oui, mais coucou, je peux partir, oui, mais vous aussi, mais coucou. Mais coucou, possible, partir là-bas. Au Qatar. Parle le poulet, nolé. Poulet, si tu poulet, nolé. Mais coucou. Mais coucou, ta soeur a voté pour toi. Ouais, ouais. Ce soir, c'est soirée à Chicha. Non, mais c'est vrai, hein. Vous croyez que quand elle va aller là-bas pour créer des problèmes, il y aura des problèmes. Et on est footballeur avec ces nombreux gars-là. Hmm? Maintenant, c'est comme un nouveau. Quand il va commencer, non. On veut les gens qui vont nous représenter. Tu viens fumer avec moi. Viens, je t'invite. On cause après. Non, parce qu'il faut regarder le comportement. Ouais. De tous ceux qui sont les vrais gens qui vont nous représenter. Comment parce que les stands de Dakata, même comme moi, j'ai sué le Cameroun. On m'a chassé du pays. Donc, il faut maintenant choisir les gens qui vont dire que exemplaire dans fait, une personne se promène comme cela. Donc voilà. Tu vois, le mec, quand tu se promène et tout, comme ça. Une chose de Monaco élégante, comme ça. On ne veut plus parler du Cameroun. Non. Il faut. Parce que, Ngosa, elle va commencer à manger là-bas. Elle va commencer seulement à dire que j'ai mon association des enfants qui sont malades au Cameroun et elle a fait ceci. Que comme là-bas, elle va seulement faire la star pour chier ses femmes et ses hommes là-bas. Elle va choisir. On ne cherche pas n'importe qui. Maman, quand tu vois, je vais chercher mes hommes. Maman, quand tu vois la canne géniale, elle dit qu'elle ne pas. Du gamin, c'est un homme de dialogue. Quand quoi? Quand est-ce que j'ai dit mes hommes là-bas? J'ai fait ça. Tu as fait des amis? Je n'ai pas moyen à ça, la canne. Des investissements et tout. Comme un mec, quand même. Voilà. De comment il va faire quoi là-bas? Il va parler qu'il va chez là où on filme ou ici. Mon frère, tu ne sais pas où on filme ici. Là, il y a un petit endroit là où on peut aller fumer. Et alors? Aïe! Le douci, on ne veut pas les gens qui vont les salir. Parce que il faut que, comme on a sali nous-mêmes notre propre pays, le Cameroun, en tant qu'influenceurs de l'État, il faut que, arriver là-bas, on veut les gens qui sont exemplaires. Qui ne boivent pas, qui ne fument pas, qui sont exemplaires. Mais oui. Ngoza va arriver là-bas, va faire quoi là-bas? Elle dit qu'elle va aller chercher mes hommes. Ouais. Elle va chercher, elle va seulement faire tout pour prendre le mari de quelqu'un qui est à côté d'elle. Pour aller finir avec lui. Parce qu'elle ne peut pas prendre, n'est pas la même. Elle ne cherche pas, elle ne sait pas chercher sa part de mari quelque part. Elle va prendre à côté. Tu invites, par exemple, Doudou Pompé. Quoi? Elle va d'abord demander qui sont les Hennekeni. Les Hennekeni sont où? Ils se posent par où? J'enlève ma perruque. Oui. Il faut bien regarder les gens que vous invitez. Hein? Yo, j'ai. Maman Sarah. La femme, c'est. Yosh. La femme, c'est. Tu vas la détester comment? Il y a les jours qu'elle dit que celle-ci, elle veut étrangler. Nous sommes n'importe qui au Qatar. Donc nous sommes les n'importe qui. Entre temps, c'est elle qui fume. C'est elle qui a de fumer un départ. Là où elle est là, regardez. C'est moi-même. Elle sort par les narines. Je fuis le Qatar. Mais c'est que c'est non rata. Elle veut commencer les problèmes dans l'avion. D'abord, elle commence les problèmes dans l'avion.
Le délire ami, non. Non, on ne boit pas là-bas n'importe comment. C'est suivi. Ok. Je ne dois pas aller au Qatar. J'ai choisi. Même quand tu es à Qatar. Comment on appelle ça? Natacha, c'est mon apôtre. Qatar. Du Kamé, Qatar. Amé, Kamé, Qatar. Voilà les choix. Ce sont les gens que je maîtrise, qu'ils ne voient pas trop. Qui peuvent nous représenter. Ce sont les chefs d'entreprise. Oui. On ne peut pas ne pas me ça parce que pas me ça, lui, aime la dictature. Parme ça aime que dès que tu parles de lui, il dit qu'il va te porter plainte. Parme ça lui marche avec le timbre et l'enveloppe. Donc ça ne sert à rien avec lui. Parce que Parme ça n'aime pas qu'on parle mal de lui, hein. Lui, c'est que on va au tribunal.